sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. L'avion du chef de l'État, Ismaël Marguelé, a atterri hier soir à Marrakech. Il doit prendre part aujourd'hui à l'ouverture de la 22e conférence de l'ONU sur le changement climatique, ou COP22. Nous allons retrouver en début de journal notre envoyé spécial Awa Abdi. Et le vice-président chinois entame une tournée africaine et a commencé sa visite à Djibouti. Lente progression pour chasser les djihadistes de la ville en Irak, à Mossoul. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. L'avion du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est atterri hier soir à Marrakech où il doit prendre part aujourd'hui à l'ouverture de la 22e conférence de l'ONU sur le changement climatique ou COP22. Le président de la République et la délégation qui l'accompagne dans le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mohamed Ali Youssouf ont été accueillis à l'aéroport par le ministre marocain de l'éducation nationale Rachid Ibn Mokhtar, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles le docteur Yassine Hussein Bouh, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme et de l'environnement Moussa Mohamed Ahmed, l'ambassadeur de Djibouti au Maroc Ibrahim Biledou Ali, ainsi que plusieurs autres officiels djiboutiens se trouvent également sur le tarmac de l'aéroport pour souhaiter ainsi la bienvenue au président et sa suite. Le chef de l'État et le ministre marocain de l'Éducation se sont dirigés ensuite au salon d'honneur de l'aéroport de Marrakech et ont échangé quelques propos sur le déroulement de la conférence, ses objectifs et ses attentes. Le chef de l'État a été briefé sur les points importants qui ont permis d'aboutir à un accord consensuel entre participants afin de réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre et d'aider les pays en développement à prémunir leur population des aléas des changements climatiques sur leur vie courante. Cela se traduit par l'apparition de courants d'air chaud, le phénomène El Niño par des sécheresses endémiques, par les montées des eaux en raison des fontes de neige, par l'augmentation des intempéries et des inondations dans certaines régions causées par les tempêtes et les cyclones. Le président de la République et sa suite ont été conduits au Modorin Oriental Hotel qui se trouve à quelques mètres du lieu où se tient la conférence. C'est à travers ce genre de conférence des Nations Unies sur les changements climatiques que les accords et conventions sont préparés, discutés, négociés et soumis aux dirigeants des États membres. Des efforts sont entrepris pour faire face au changement climatique et réduire la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La prise de conscience sur les dangers qui menacent la planète Terre font qu'aujourd'hui l'on promet fortement les énergies renouvelables. Et nous avons justement en ligne Awa Abdi, notre envoyé spécial à Marrakech. Bonjour Awa. La conférence est-elle ouverte et oui. On fait le point avec vous sur cette 22e conférence du réchauffement climatique. Alors, effectivement, Asma, vous m'entendez? Oui, effectivement. Oui, d'accord. Alors, Asma, nous nous trouvons ici à Bab el-Idli, les lieux où se déroule actuellement la 22e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, vient d'arriver sur le lieu. Il sera accueilli par le chef de la diplomatie marocaine, Salah Eddine Mizwar, et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Alors, cette 22e conférence réunit les délégations de plus de 196 États et plus de 60 chefs d'État et gouvernement, dont le président, comme je l'ai précisé, de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui est arrivé hier au début du soirée. Il est par ailleurs été reçu par le ministre de l'Éducation. Le chef de l'État est à la tête d'une importante délégation composée essentiellement des ministres de l'énergie chargés des ressources naturelles. Il y a aussi le ministre des Affaires étrangères et de coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf. Donc, il est noté à Asma que cette conférence, dite conférence de l'action, de l'innovation, du partage des solutions qui doit contribuer à la mise en œuvre du résultat du COP22 qui se tiendra à Paris. Donc, je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette conférence et on va
avoir quelques interviews avec les ministres qui assisteront à cette conférence auprès du président de la République, son excellence M. Ismaïl Omer Guelleh, qui a participé à la réception. Qui va faire un discours après quelques heures. Merci à vous. Eh bien, on va suivre avec vous cette 22e conférence du réchauffement climatique auquel le chef de l'État prend part. C'était Aoua Abdi en direct depuis Marrakech. Retour à Djibouti, le chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a accueilli sur le tarmac de l'aéroport d'Ambouli une délégation de haut niveau chinois conduite par le vice-président Li Yunshou, accompagné des ministres de l'éducation, du commerce et des affaires étrangères. On prépare à cet accueil les membres du gouvernement djiboutien, à savoir les ministres du transport, de l'éducation nationale, le ministre délégué au commerce, celui chargé des investissements et de l'économie et des finances, ainsi que des secrétaires généraux de la primature et des affaires étrangères. Le vice-président chinois entame une tournée africaine et a commencé sa visite en Afrique, en premier lieu par la République de Djibouti. C'est une première et un événement sans précédent, témoignant ainsi de l'excellente relation et de la solidité de la coopération entre les deux pays amis. Après l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation chinoise par le Premier ministre et les membres du gouvernement, une réunion de travail a eu lieu à la primature dans la salle de réunion entre les deux délégations. Voilà, et lors de son allocution, le Premier ministre a réitéré ses remerciements et sa gratitude au nom du gouvernement djiboutien en son nom propre à l'endroit du vice-président pour sa visite historique dans notre pays. Il a souligné aussi que la Chine n'a cessé d'apporter son aide et son assistance sans contrepartie pour le pays afin de favoriser le développement de la République de Djibouti, ce qui a permis, selon lui, la réalisation des grands projets de grande envergure dans le pays. Il a ainsi témoigné d'une relation diplomatique et bilatérale solide et fructueuse entre les deux pays qui va bientôt célébrer 138e anniversaire sur un bilan très positif, le Premier ministre. Eh bien, conformément à la ferme volonté politique exprimée des deux parties lors de la réunion du travail, différents accords cadres ont été signés au niveau du ministre de l'économie et des finances concernant un don de 150 millions yens consacré entre autres à la technologie, à la construction des archives et de la bibliothèque nationale de Djibouti. La deuxième signature a porté sur un accord commercial entre le président des autorités des ports Exxon France de Djibouti et la société China Merchant Port portant sur la création et le développement de la zone franche industrielle dénommée Djibouti International Free Trade Zone. Sur conseil du chef du gouvernement par intérim et en sa présence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, a signé aujourd'hui au Kepinski Hotel une série de mémorandums d'entente avec des officiels chinois, dont le président de la société China Merchant Holding Group, le docteur Hu Jianhua. Outre le chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, ont suivi cette cérémonie de signature des accords, le ministre chargé auprès de la présidence, chargé des investissements, Ali Gueye Aboubakar, le ministre du budget, Boudé Ahmed Rable, le ministre délégué au commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, et le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane. Les conventions signées avec la délégation chinoise comprennent notamment la création de la Banque internationale de la route de la soie, qui aura son principal siège à Djibouti, la création du centre financier de l'Afrique de l'Est qui aura également son siège à Djibouti, la création à Djibouti de l'Africa Big Data Center,
a également été signé une convention officialisant la tenue à Djibouti d'un forum annuel sur la route de la soie du XXIe siècle. Ce forum sera conjointement organisé par notre pays, la République populaire de Chine. Des décideurs politiques, des hommes d'affaires ou influents du continent africain seront à chaque fois conviés lors de la tenue de ces forums. Les accords signés ce matin constituent un tournant crucial dans les relations entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine, puisqu'ils consacrent notre pays comme le point d'entrée principal des investissements chinois sur le continent et son centre financier et technologique. Et pour plus de précisions sur ces signatures, je vous propose d'écouter le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dawalé. Aujourd'hui, c'était une journée importante pour nous et une journée importante dans les relations économiques et commerciales avec les investissements en provenance de la Chine. Nous avons signé aujourd'hui 5 accords, dont un concerne un accord de partenariat ou de participation de la République de Djibouti à une banque internationale qui est appelée Silk Road International Bank, qui va s'installer à Djibouti dans les semaines à venir et dont Djibouti est actionnaire à concurrence de 25% du capital. Comme vous le savez, Djibouti est déjà actionnaire de la banque BCI Mer Rouge. Au même titre, le gouvernement de Djibouti souhaite participer au capital des grandes banques internationales qui s'installent en République de Djibouti. Donc, un accord porté donc, sur l'accord de participation dans le capital de cette banque. Le deuxième accord est très important. Consiste à l'élaboration et l'installation d'un centre financier de l'Afrique de l'Est. Djibouti joue un rôle d'un pays ou d'un centre bancaire pour l'Afrique de l'Est, pour la Corne de l'Afrique. Notre ambition, c'est d'aller maintenant au-delà pour faire de Djibouti ce dont nous avons toujours rêvé, c'est-à-dire un centre financier international et ici en particulier les centres financiers de l'Afrique de l'Est sur toute la stratégie de la route de la soie. Et on retrouve tout de suite l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Restez avec nous. C'est l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le ministre de la Santé, le docteur Jamai Meruki, a reçu ce matin dans son bureau l'ambassadeur du Japon, M. Tetsuo Arai, en présence du secrétaire général du ministère, M. Ahmed Rabelais, et de l'inspecteur général des services de santé, le docteur Salah Benoutatoulab, ainsi que plusieurs au cadre du ministère de la Santé. Objectif, porté sur la préparation de la mission qu'effectuera le ministre prochainement au Japon et d'autre part les voies et moyens de développer davantage la coopération existante en matière de santé entre nos deux pays. D'emblée, le ministre de la Santé, Dr Jamai Meruki, a remercié son hôte, l'ambassadeur du Japon, d'avoir répondu à son invitation. Le ministre a réitéré dans sa réaction l'engagement pris par le Premier ministre japonais lors de la conférence de la TICAT 6 pour accompagner notre pays dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. A cet effet, Dr Jamai Meruki a réaffirmé également l'effort du gouvernement djiboutien pour rehausser et améliorer les conditions avec la mise en place d'un nouvel hôpital dédié uniquement à la prise en charge de la mère et de l'enfant. L'ambassadeur du Japon, Tetsuo Arai, a quant à lui remercié le ministre de la Santé pour son accueil chaleureux qui lui a été réservé. Ce dernier a une fois de plus réitéré son engagement quant à la consolidation du partenariat entre les deux pays et qu'il prendra part à la mission du ministre au Japon prochainement. Dans le reste de l'actualité, le réseau des étudiants inscrits à l'université de Djibouti, également membre du parti, a organisé hier après-midi à Bandel Jdid une rencontre visant à détailler le programme des activités de ce regroupement. Depuis sa création en 2013, le réseau des étudiants lance bon nombre d'activités au profit des jeunes.
de la capitale et dans les 5 régions de l'intérieur afin de les unir. Ces activités se basent essentiellement sur la culture, à savoir donner des cours de soutien gratuits en faveur des plus défavorisés. Le slogan du réseau demeure « S'unir pour mieux bâtir Djibouti ». On prépare à cette rencontre le président de la commune de Belbala, le président du réseau, le représentant de la société civile de la commune de Belbala et ainsi que plusieurs étudiants, jeunes étudiants. Également dans l'actualité, en vue de concrétiser la politique nationale visant à accroître le nombre de logements sociaux, les efforts de construction concernent aussi la région de Tadjoura. Le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, en compagnie du président du conseil régional, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection afin d'évaluer l'état d'avancement d'un projet de construction de 50 logements sociaux. Ce projet est financé par l'ONG Al-Rahma International et a été lancé au mois d'août dernier. À son arrivée sur les lieux du chantier, le préfet a été accueilli par le responsable des travaux de construction. Il a jugé positif l'état d'avancement du projet. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, natif de la région, qui avait procédé il y a 3 mois de cela à la pose de la première pierre d'un chantier. Le site choisi se nomme As-Hugoub. Il est situé à 3 km de Tadjoura. Outre les 50 logements sociaux, une mosquée et une école seront construits. Ce projet ambitieux est financé par le gouvernement koweïtien via l'ONG Al-Rahma. Il s'agit d'un projet donc, de construction. Dans le reste de l'actualité, la journée mondiale du diabète a été célébrée hier à Addis Abeba, organisée par l'association Horsehead de la ville d'Addis Abeba. La journée qui s'est tenue au siège du conseil régional, elle a vu la participation du premier adjoint du préfet d'Addis Abeba, M. Mohamed Abbas, la présidente de l'association, Khadra Youssef Ousmane, le directeur technique de l'hôpital régional d'Addis Abeba, Mohamed Megil, les chefs coutumiers et les ukals de la ville de Assadjoug. Le diabète est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Selon les statistiques, au moins 80% des personnes atteintes de cette maladie ignorent leur statut, faute de dépistage. Pour rappel, le diabète est une maladie chronique caractérisée par un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. Au cours de la séance, les participants de la journée se sont fait dépister pour voir le taux de prévalence du diabète dans leur organisme. Rappelons que la journée mondiale du diabète est une campagne qui met en lumière un nouveau thème choisi par la Fédération internationale du diabète chaque année afin de s'attaquer aux problèmes auxquels la communauté mondiale du diabète fait face. Si les campagnes thématiques s'étalent sur toute l'année, la journée est célébrée le 14 novembre afin de marquer l'anniversaire de Frédéric Banting qui, avec Charles Best, est le premier et le précurseur de la découverte de l'insuline en 1922. Un mot au sport à présent. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a participé hier après-midi à la finale du tournoi Afal Coxo. Le Coxo ou Cucus est un jeu traditionnel pratiqué par nos communautés nationales. Il oppose deux équipes. Hier, se sont affrontées l'équipe de Redakala et de Egekala. La finale a été remportée par l'équipe de Egekala. Juste avant la cérémonie de clôture, les jeunes du quartier ont exécuté les démonstrations de l'art martial, le Kung Fu Wushu. La cérémonie de remise des trophées s'est déroulée en présence du secrétaire d'État et de son directeur des sports, ainsi que des notables du quartier. Hassan Mohamed Kamil a félicité le CDC pour l'organisation d'un tel tournoi qui tend à la promotion des sports traditionnels et à assurer les jeunes adeptes qu'ils prenaient acte de leurs doléances et qu'ils les soutiendraient pour faire de ce sport un sport national. L'actualité à présent hors de nos frontières, la lente progression pour chasser les djihadistes à Mossoul. Des images qui ont été filmées il y a plusieurs jours et rendues publiques ce lundi. On y voit des soldats kurdes arrêter un combattant présumé du groupe État islamique. La vidéo a été tournée dans la ville irakienne de Bashira, à une dizaine de kilomètres au nord-est de Mossoul. Cette localité a été aux mains des djihadistes pendant plus de 2 ans. Et aujourd'hui, les forces kurdes et les troupes gouvernementales progressent dans la zone pour chasser les membres de l'État islamique. La bataille pour la reprise de Mossoul a été lancée il y a 6 mois
Avec le soutien d'une coalition internationale emmenée par les États-Unis, la progression est lente en raison de la résistance des djihadistes et même chassés, les combattants islamistes laissent souvent derrière eux des engins explosifs. Ils ont aussi recours aux attaques suicides. C'est ce qui s'est passé ce lundi près de Karbala, une localité située à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad. Au moins 8 personnes ont trouvé la mort dans ces attaques revendiquées par l'État islamique. Les assaillants se sont fait exploser alors qu'ils étaient cernés par les forces de l'ordre. Et cet entretien, premier entretien téléphonique entre Poutine et Donald Trump. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone hier, une première depuis que le premier a été élu président des États-Unis. Objectif, travailler à la normalisation des relations russo-américaines selon le Kremlin. Les proches de Donald Trump affirment que le chef de l'État russe a appelé le républicain pour le féliciter de sa victoire électorale. Il confirme la volonté du président élu de renouer les relations fortes et durables avec la Russie et le Russe. Dans un communiqué, le Kremlin va plus loin en précisant que les deux hommes se sont mis d'accord pour unir leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme et en souligner l'importance de leurs liens commerciaux. Voilà, c'est le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Juste après une courte pause, je vous retrouve et focus aujourd'hui sur les signatures entre la République de Djibouti et la Chine. Et je reçois à propos le premier conseiller principal du ministre, M. Ibrahim Hamadou. C'est pour le focus. Juste après la pause, restez avec nous.